Antoine Chalvin, nous sommes aujourd'hui à Tallinn pour la fête du chant. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de cette coutume de la fête du chant ? Alors, il s'agit d'une tradition qui remonte à 1869. La première a eu lieu à Tartu, donc cette année-là. Et depuis, disons que c'est une tradition qui, à intervalle de... Alors d'abord, c'était tous les 2 ou 3 ans. Depuis les années 20, c'est tous les 5 ans, de manière assez régulière. Ça réunit toutes les chorales du pays qui se retrouvent pour chanter ensemble devant une centaine de milliers de personnes. Et on peut dire que c'est une sorte de célébration identitaire pour les Estoniens, puisque c'est à cette occasion, ils se retrouvent, ils chantent des chants patriotiques. Et bon, c'est un événement important, disons, dans la culture estonienne. Ce qui est intéressant, c'est que ces chants ne sont pas des chants traditionnels estoniens de type ancien. En fait, ce sont des chants qui sont écrits sur des modèles allemands. D'ailleurs, toute cette manifestation est inspirée par une pratique qui avait cours en Allemagne et en Suisse dans les années, dans la deuxième moitié du 19e siècle, la pratique des Sängerfest, dans les fêtes du chant. Et les Estoniens ont repris ce modèle d'expression artistique pour le transformer en expression identitaire. Mais au départ, ce sont des chants allemands qui sont adaptés en estonien avec des paroles estoniennes. Et quand on parle de patriotisme, il ne s'agit pas bien sûr d'un patriotisme guerrier ou conquérant, mais c'est simplement l'amour du pays natal, l'expression de l'amour pour la terre estonienne et la langue estonienne. Alors ici, on voit aujourd'hui des costumes très divers. Est-ce que c'est des costumes qui représentent les couleurs des provinces ou Ce sont effectivement des costumes traditionnels régionaux, qui, traditionnels, en fait, la tradition n'est pas très très ancienne. Ça remonte au 19e siècle, hein. C'est une tradition récente, mais qui a été promue un peu comme marqueur identitaire régional. Donc on marque son appartenance à une région en portant, un jour comme aujourd'hui, la jupe avec les couleurs qui caractérisent la région. Donc il y a notamment des costumes caractéristiques du sud du pays, du sud-est, la région des Seto, qui est une population proche des Estoniens, mais un petit peu distincte aussi par certaines coutumes. Il y a des costumes typiques des îles, il y a des costumes du nord de l'Estonie, donc chaque région a son costume. Et par rapport à la fête nationale qui a lieu en février, la fête de l'indépendance de l'Estonie, proportionnellement, est-ce qu'il y a autant d'engouement pour ces deux fêtes ? Je crois que c'est deux choses assez différentes. La fête nationale, c'est une fête officielle, donc il y a une parade militaire, il y a les discours. Là, c'est une fête beaucoup plus populaire et qui est peut-être, je dirais, historiquement plus importante, en tout cas au cours des 50 dernières années. Puisque la fête nationale historique était interdite, bien sûr, après l'annexion par l'Union soviétique, cette fête du chant choral était un moyen de réaffirmer, dans des cadres autorisés, une certaine identité, un certain attachement à l'identité estonienne.